Bonjour, excusez-moi. Je rigole parce que j'étais sur Twitter, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. T'as une meuf? Ah, c'était un truc, c'était en mode. C'est quoi la boisson que vous testez le plus? Elle a mis une image genre de. Une bouteille d'eau et une autre image genre du lait. Il y a une entreprise, un truc comme ça, qui lui a répondu, qui a genre retweeté par-dessus pour répondre. Mais vous buvez quoi en fait de l'essence? Il dit, mais oui, tu bois quoi en fait, grosse? Tu bois pas d'eau? C'est genre. Ou alors elle déteste ça, mais genre elle en boit, mais genre c'est horrible à chaque fois, quoi. L'impression que c'est le bord de la piste, tu vois, c'est le cauchemar, quoi. Putain. J'ai dit que j'allais dire du sang, mais en vrai, je préférais boire du sang que de la pisse. Je pense comme beaucoup de monde d'ailleurs. Bref, bienvenue dans ce live de qualité allemande où nous allons jouer à des BD. C'est original, n'est-ce pas? Je suis encore sur d'ailleurs Twitter. Je te regardais les trucs par rapport à Evil Dead, le film à Evil Dead Rise. Je suis trop content parce qu'il y a grave une hype autour et tout. Le film a déjà rapporté 100 millions. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique, on peut dire. Excusez-moi. Je pense que je vais arrêter de le dire à force, mais je suis fatigué. Genre vraiment un gros coup de barre en mode. Mais en ce moment, vous savez, et c'est pas une blague, hein, en ce moment, je vais vous raconter mes journées. Je me lève, il est 10h, 11h. Ok. Genre, arrivé à 13h30, 14h. Surtout vers 14h en fait, plus vers 14h. J'ai un coup de barre, mais genre je m'endors sur mon écran. Ça dure des fois juste 2-3 heures. Je dis bien juste 2-3 heures, parce que, ouais, ça c'est bien, c'est moi, ça me casse pas trop les couilles. Mais des fois jusqu'au soir. Hein. Jusqu'au soir, ça va jusqu'à 17h, 18h, voire des fois jusqu'à 20h. Hein. Franchement, je suis un zombie. Et genre, de 21h, je veux dire, allez, entre 21h à 3h du matin, je suis en forme. Je suis super actif, super productif, enfin plein de choses, enfin. Je force à me coucher à 3h du matin, c'est que. Bah après, il est tard, quoi. Mais putain, il est 3h du matin, je vais me coucher, quoi. Mais je suis pas fatigué, généralement, je peux me galérer même à m'endormir, hein. Tellement que je pète la forme, quoi. Du coup, je me demande si je devrais pas juste complètement assumer à adopter un rythme de vie nocturne. Je sais qu'à chaque fois, je le regrette, il n'y a qu'une seule fois que je l'ai pas regretté. C'était la perte de l'heure, j'ai commencé à streamer. Mais c'est tout, quoi. Genre vraiment pendant 2-3 mois je dormais mais la journée et je vivais la nuit, j'ai jamais été aussi productif que cette période-là. Pour de vrai. C'était juste galère faire les courses parce que des fois je me levais genre bah, en fait vraiment littéralement quand je dis que je dormais la journée, c'était vraiment en fait je. Comment vous expliquer ça? Je me couchais, il était 9h du matin, voire 10h des fois. 8-7h pour le plus tôt. Et je me couchais, il était. Elle est revenue. Alors, j'ai pas dit mais avant le début du live, genre 10 minutes avant, je l'ai éclaté. Et elle s'est envolée, mais j'ai vu, elle s'est pris mûre. Et je l'ai perdue, je faisais bon, elle est morte. Je l'ai tellement déglingué. Mais genre, le coup qu'elle s'est pris, genre, vous aurez pas aimé vous le prendre. Et là, elle est là. Je déteste ces mouches de merde. En fait, c'est. La personne qui fait le ménage chez moi a laissé la porte ouverte. Et voilà. C'est la meuf qui vient faire le ménage chez moi. Attendez 2 secondes, je passe en mode Haussmann le bourgeois. Elle me dit quoi? Elle me dit, ah putain, il y a une limace dans votre jardin. Je suis, ah ouais, d'accord.
Elle fait venez voir, elle est énorme, on dirait un serpent. Je l'ai pas vu la limace, hein, je cours pas trop. Je suis non, non, mais ça va aller, hein, balancer. Je vais balancer la haute part et tout. Elle voulait vraiment la montrer et tout. Je vois acheter un truc, j'ai pas vu ce qu'elle a acheté, mais je vois qu'elle a acheté un truc. Mais genre avec ses doigts comme ça. Je sais pas dit, mais. J'ai envie de dire, mais attendez. J'ai envie de dire, mais attendez, vous l'avez vraiment attrapé avec vos doigts? J'aurais vu, j'aurais bien vu ce que je venais de voir. J'aurais dit, mais va te laver les mains direct. Touche à rien dans la baraque, lève-toi les mains. Je sais plus ce que je disais. Avant de parler de la limace et de la mouche. Pourtant, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Ouais, mon rythme de sommeil. Et en fait, bah, du coup, bah, je me vois, je me levais le soir, il était 17h-18h, quoi. En fait. J'étais trop bien, quoi. J'ai eu ma meilleure vie. Quand je me levais directement. J'allais faire mes courses et tout. Enfin. Ça faisait me déplacer, ça me faisait marcher. J'étais super productif. On faisait live la nuit et tout. Enfin. Quand je faisais pas les lives, je bricolais les streams, c'était plutôt, surtout que je fais depuis longtemps, parce que maintenant je me suis stabilisé. Mais c'est vrai, littéralement, le setup qu'on a là, en vrai, il est vraiment, vraiment, mais vraiment vanilla de fou. Hein. Je devrais un peu le personnaliser, mais bon. Et voilà quoi, mais. Mais là, c'est vraiment genre, je me lève, il est 10h-11h. Enfin, je me lève, je me réveille, 10h-11h, je me sors de mon. J'arrive à trouver la force à sortir de mon lit, il est genre midi, 13h. Hein. C'est le pire. Je me lève, je bouffe pas parce que j'ai pas faim. Souvent vers ce soir-là, je prépare un stream parce que c'est l'après-midi. Genre là, il est un peu tard, mais en même temps, là, lundi, je vais pas stream, mais j'ai pas stream hier, donc vas-y, je stream aujourd'hui. Et Et genre, enfin. Genre vers. Mais vraiment, les coups de 14h-15h. Genre, je m'endors quoi. Là encore, je suis fatigué comme ça. Genre, vraiment, je suis pas ouf quoi. Et encore, ça sent à chaque fois, j'arrive vraiment rien à faire. Chaque fois, j'arrive même pas à la force de bouger ma souris. Je suis vraiment comme ça en mode. Genre, vraiment comme ça. Là, c'est juste. Attends, je suis crevé quoi. Et j'arrive rien à faire. Mais vraiment, je n'arrive rien à faire du coup. Alors que le soir. Et du coup, je me suis dit, c'est à cause du sucre. C'est vrai que je bois beaucoup de trucs sucrés. Du coup, là, ça fait depuis hier, je n'ai pas bu un seul truc sucré. Je vais passer vraiment la semaine entière à ne pas boire de trucs sucrés. Si je vois que ça fait rien, genre, je vois que ça a absolument rien changé à ma vie. Yo, Lunikudu, comment ça va? Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire genre une semaine comme ça. Mais si je vois par contre qu'effectivement, bah. Je me sens beaucoup moins fatigué, je suis plus normal, parce que c'est pas normal. Hein. Il y a vraiment une meuf qui, quand j'en ai parlé, m'a sorti quoi? Non, mais c'est que tu vieillis. Non, mais meuf, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans, grosse. De quoi tu me parles de vieillis? Je dois pas savoir, écoute. C'est juste que je suis encore fatigué, mais je crois que je disais que je vais arrêter de le dire, parce qu'en ce moment, mais je suis tout le temps fatigué, en fait. Tout le temps en train de m'endormir, tout le temps en mode coup de barre. En fait, tu sais, les coups de barre qui vous prennent. En fait, c'est ça. Vous savez, les coups de barre qui vous prennent, genre, mais pendant 20 minutes, 30 minutes, genre, qui vous donnent envie de dormir. Moi, c'est ça, mais toute l'après-midi. C'est même pas le matin, hein, ce que je parle du matin, mais même pas le matin. Le matin, je suis bien. Hein. Quand ça m'arrive les rares fois que je me lève le matin, je suis bien. C'est vraiment l'après-midi. Alors apparemment, c'est normal d'avoir des coups de barre entre 15h et 16h. Mais moi, c'est pas entre 15h et 16h. Moi, c'est entre 14h et 21h des fois. Enfin, y a un monde quand même. L'auteur des BD voulait pas se lancer un jeu plus là, et puis ça bloquait sur connexion. Non, ça bloquait sur machin inventaire. Ouais, le chargement de l'inventaire était bloqué là-dessus. Putain. Non, mais franchement, c'est bizarre. Peut-être qu'effectivement j'ai 26 ans et qu'à 26 ans les gens vivent comme ça, mais putain, bordel de merde. J'aurais dans 5 minutes ça marche, mec. Moi je vais boire de l'eau du coup. Je prends même mes cafés sans sucre, je vais même me faire un café. Le plague hier, j'oubliais à quel point elle était forte, plague en vrai.
Je vais me faire un petit café. Je laisse l'eau bouillir un peu. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah, j'avais des trucs à vous raconter parce que j'ai oublié c'était quoi. Putain, j'ai fait des games Evil Dead, c'était quand? C'était pas hier, c'était avant-hier. Hier aussi, mais en fait, avant-hier, j'ai fait des games genre contre des bots en fait. Genre, je jouais avec des survivants joueurs, mais on jouait contre un bot en fait. Et le lendemain, du coup hier, j'ai joué mes comptes des vrais joueurs. J'ai fait 3 games. Hein. Avant-hier, j'en ai fait genre 5-6. Juste en 2 games, j'ai gagné. Mais elle est au moins 2 fois plus de points, voire 3 fois plus de points que les parties contre les bots. Les parties contre les bots te rapportent si peu d'XP. Alors qu'en vrai, c'est bien parce qu'en fait, ça te permet de gagner des points et d'XP sur ton personnage pour après aller jouer contre des vrais joueurs mais en même temps équipé quoi. Parce qu'en vrai c'est chaud hein, de partir contre des vrais joueurs genre avec un survivant genre qui est niveau 1 ou 5 quoi. Pour moi faut vraiment être au moins, allez, je vais dire dépasser le niveau 10 mais je vais dire au moins niveau 15, 14, 15 par là. Genre vraiment ouais, mais au moins le niveau 10 pour être sympa, très sympa. Parce que tous les bonus tu les as pas quoi, tous les bonus un peu cool. Vous me demandez, je joue quoi? Je vous supporte. Hein. Je vous supporte, mais alors, en fait, vous étonnez, ça m'arrive de jouer guerrier. Ça m'arrive de jouer chasseur aussi. Mais alors, chasseur, c'est vraiment juste pour jouer Ashe Evil Dead 2. Qui est peut-être en vrai mon personnage préféré. Qui est très fort d'ailleurs. C'est Brock qui a l'air vraiment top tier. Attendez, je crois que mon café est prêt. Prendre une cuillère quand même. J'ai eu peur, je crois qu'il n'y avait pas de game survivant cette heure-ci. Je vais vraiment jouer survivant. Je vais mon Discord. Elle est revenue. J'ai raconté cette histoire dégueulasse, mais il y avait une mouche. Je sais pas pourquoi, elle voulait absolument rentrer dans la bouche, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Aucune raison à ça. J'arrêtais pas de secouer mes lèvres, enfin, dès que j'ouvrais la gueule, elle a foncé, genre vraiment. C'est super, je le prends pas du tout comme un compliment, bien sûr. Mais alors, pour aucune putain de raison. Je me suis même reniflé la bouche, alors vous savez, en faisant ça. Si je fais la gueule, je fais, ah non, je fais pas de la gueule.
Et du coup, la mouche à moi, elle est arrivée, je lui... Et ça m'a, elle m'a tellement... Mais j'étais vraiment tellement énervé, dans son instant dégueulasse, que je l'ai claqué avec mes dents. Et pff, je l'ai recraché comme ça. Ça avait un goût de fer dans la bouche, mais horrible. Dégueulasse. Mais alors, je te pense que je l'avais enfin buté. Parce qu'elle cassait trop les couilles. C'est la mouche, je crois, qui m'a plus se casser les couilles de ma vie. C'est quoi ce build? Faut que je... Ah oui, c'est vrai. Confidentiel, hein, bien sûr, on se demande pourquoi je joue avec. Hein. Alors qu'en vrai, on se demande pas. En vrai, j'hésite à jouer avec ça. Mais du coup, il me faudrait une compétence de... de totem, quoi. C'est quoi, attendez? Attendez, déjà... Ça, on va mettre autre chose. Et alors, je repensais à Unikozu, je regardais vite fait, parce que les lives Overwatch, en vrai, enfin, les derniers lives Overwatch qu'on avait fait, tu sais, enfin, on avait fait deux lives, il y a longtemps, et on a repris il y a peu. J'ai regardé entre, les, entre ben justement le live numéro 2 et le live numéro 3, il y a un écart de fou, en vrai, niveau temps, et pourtant, il y a que deux persos qui sont sortis, hein. Je sais pas ce qu'ils font, mec, mais... D'ailleurs, j'ai regardé Vital, ça peut pas Vital en anglais. Il a un nom bien meilleur. C'est générique, mais c'est mieux, je trouve. Hein. En vrai, j'ai envie de mettre un truc... Enfin, un truc générique, je crois que je vais mettre un truc con. J'aime plus ce qu'on avait mis, en fait, avant, on va changer ça. Ah, on a mis confidentiel, c'est vrai. Ouais, du coup, faut faire mettre ça. C'est quoi les défis? Ah, y'en a pas, ok. C'est génial. Mais si j'en ai un défi, pourquoi il me dit que j'en ai pas? Ah, faut que j'ai toujours de manière sécurisée. Bah, on a le bon build alors, du coup. Putain, la mouche, je vais vraiment te buter. Deux secondes, je réfléchis. Bon, ouais, on voudrait jouer avec ça, du coup. Moi, j'ai envie de jouer avec Overzealous. Voilà. Lancer maintenant parce que je pas en piscine en fait. Son café trop brûlant. Tant que la game se fasse. Non, mais j'ai vraiment l'impression que, genre, Overwatch, il s'est quasiment rien passé en fait depuis qu'on a arrêté. Quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien loupé en fait. C'est pareil, hein. On est tellement cas cette tenue. Putain, alors. Ça n'a pas été confirmé à 100%, mais. Sur le jeu Evil Dead, ils vont mettre effectivement des éléments de Evil Dead Rise. Du coup, les gens sont en train de débattre sur qu'est-ce qu'il va y avoir et qu'est-ce qu'il va pas avoir. Moi, je pense que ce qu'il va pas avoir, c'est une nouvelle map et une nouvelle arme. Il y en a qui ont théorisé sur des nouvelles armes. En vrai, je pense pas qu'il y aura de nouvelles armes. Donc enfin, perso t'es trop mal en fait. Ah mais quand même mec hein. Ça fait plus de 6 mois hein, qu'on avait joué hein. Ah faut que je regarde en vrai. Parce que le dernier live qu'on a fait sur Overwatch, enfin le numéro 2, il date quand Wesker était sorti sur DBD. Et DBD c'est pareil hein, c'est un perso tous les 3 mois. Ah mais je dis ça mais attendez. Ah, en vrai, non, parce que même sur DBD, il y a eu juste ce chevalier marchand de crâne hein, qui est sorti. Hein.
Donc en théorie, ça veut dire que dans Overwatch, dans un mois ou deux, il y a un nouveau tueur qui sort. D'ailleurs, j'ai pas regardé parce qu'il y a trop peu de leaks. Mais enfin, j'ai pas fait de vidéo, enfin, j'ai pas pris de vidéo pour en parler parce que il y a trop peu de leaks. Mais on sait, ça va être quoi le prochain, on sait, ça va être quoi le prochain chapitre des BD. Et en vrai, je demande à voir. Le tueur va s'appeler. Je spoil, on s'en fout. C'est pas un chapitre de licence. Le tueur va s'appeler la singularité. On n'a pas d'image. Le survivant, je sais plus c'est quoi son nom. Survivant, parce que c'est vraiment un nom mixte pour le coup, donc je peux pas trop vous dire que c'est un survivant ou une survivante. Et son pouvoir, en fait, s'appellera Dimensional Rift. Et en fait, il consistera à placer des portails pour aller à un point A, à un point B, en fait. En gros. Et plus la partie avance, plus le tueur deviendrait fort. Mais pas à la manière de Billy ou de... Enfin, pas de Billy. Pas à la manière genre du Oni ou de Plague. Hein. C'est vraiment à la manière de... Vraiment, il devient plus fort, en fait. Il obtient des bonus et tout. Je suis pas arrivé, du coup, j'ai du mal avec mes habités. Il avait ça. Il est confiant le mec, hein. Encore trop chaud pour que je puisse le voir. J'aurais bien aimé avoir parenté avec avec H, mais le problème c'est que j'ai pas parenté avec H. Mais après, ouais, je demande à voir pour le chapitre prochain, tu vois. Le délire des portails, en fait, d'un point A à un point B, ça peut vite être de la merde, en fait. Enfin, pas être très intéressant. C'est vraiment comment que ça arrive, genre, le truc, hein. Parce qu'on va passer en P2. Pour certaines personnes, c'est exceptionnel, ça arrive quasiment jamais, tu vois. Bon, il y a la vérité, tu vois. Moi, c'est que ça m'arrive au moins une fois par live, tu vois. Il y a 1000 endroits sur la map, ne venez pas ici par pitié. Si vous faites à chaque fois que je fais un truc comme ça. C'est vrai qu'on voit pas nos potes.
Je sais pas où il est en fait. Putain, déjà? La partie qui aura duré 15 secondes. Il est là-bas. Moi, vu qu'il me dit d'aller là-bas, quoi. J'aurai jamais le temps, j'aurai jamais le temps. Allez, allez, ouvre-toi. Regardez-le là-bas, ce con. Mais je vais balayer ça, mec. Regardez-moi ce con là-bas. Putain. Oh, c'est con parce que des live Evil Dead, je vous en aurais bien fait, mais le problème c'est que bah. Bah, ça lag en live quoi. Ouais, ça lag un peu en live des fois, il y a des moments, genre j'ai des lags et tout. Hein. Je regarde ce que là, avec un bon. Le mec serait. Il saurait drifter et. Il pourrait niquer. Faites gaffe, vous. Putain, bien joué, souple. C'est pour ça que c'est parti que je vais faire mon défi. Qu'est-ce que vous faites? Mais sortez, ça sert à rien de rester. Ouais, on reste dehors, mais vraiment par politesse quoi. Parce qu'en vrai, la meuf, on peut pas la protéger si elle peut très arriver. C'est vous qui avez réussi à la décrocher, quoi. Ouais, non, le mec... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je viens de donner le temps, donc ça évite les générateurs en même temps. C'est même pas qu'il a un build genre de chasse ou autre. C'est vraiment il a pris un build un peu troll, quoi. En fait, il a tout basé sa stratégie sur le fait qu'on allait être super altruiste et essayer de défendre nos potes pendant avant qu'ils aillent se faire accrocher, quoi. Enfin, pour quand il va les emmener, quoi. D'accord. C'est spécial de base, cette stratégie sur un truc assez spécifique, quand même. C'est l'enfer. Bienvenue. C'est un truc, je sais plus c'était où. Qui disait, en fait, le purgatoire, c'est pire que l'enfer, parce qu'au moins dans l'enfer, il se passe quelque chose. Je comprends, parce que c'était par rapport à DBD. Mais je sais plus c'est quoi le lien avec DBD, mais c'est un truc complètement con, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'énervent parce qu'ils voient que je suis pas d'objet à chaque fois. On n'est pas tant que ça avec lui en plus. Mais il y a des persos, je les collectionne. Quoi. Je rappelle moi de putain, comment il s'appelle le mec? Gate. Gate qui avait genre je crois 160, 170 lampes comme ça.
J'ai halluciné. C'est quoi la plus grosse route sur mes lives DBD? C'est triste, mais c'est vrai. La plus grosse fraude de mes lives DBD, c'est que le premier épisode, c'est un truc où on était plusieurs. Même le deuxième, hein, parce que le deuxième, je joue avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais alors, tous les autres, c'était moi tout seul. Non, en vrai, il y en a d'autres où on joue aussi avec Esteban. Mais bon, Esteban, il se fait ban maintenant. D'ailleurs, c'est cool parce que tu peux suivre vraiment toute l'histoire d'Esteban, de pourquoi il se fait ban juste en regardant les lives DBD. Bon, il y a des trucs qui se passent un peu annexes, genre Resident Evil 5, par exemple, enfin le Let's Play Resident Evil 5, mais. Sinon, juste DBD. Mais c'est con parce que c'était sur DBD qui était sympa, la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il a, Billy, aujourd'hui? Putain, je suis obsession. C'est une bonne chose ou une mauvaise? Où est-ce qu'on s'en bat les couilles? Bien joué. Je me barre ce qu'il y a là. Trappe. Elle a quand même bien avancé. J'ai vu qu'il y a un thème qu'on était là-bas, mais je vais pas y retourner. Pour des raisons évidentes. Vous êtes aussi veillé? Bon, ça joue ensemble, ça. Non, non, je vais y retourner là-bas. D'abord, je vais voir s'il n'y a pas un truc à mettre là. Attends, il a foncé là-bas, c'est sûr qu'il y a un totem là-bas, enfin thème. Un générateur là-bas, je vais y aller. Parce que j'ai pas bossé sur beaucoup de générateurs actuellement. J'ai appuyé. À la fin, mais j'ai appuyé. Je vais plus vite. Ah, parce que c'est vrai que j'ai béni le totem. Je pense que c'est ça, Over Zilus.
C'est vrai qu'en ce moment, peut-être parce que c'était le 13 du mois et pas encore ce qu'on a eu le 15, mais les survivants qui ont joué sont plutôt énervés. Parce que même hors live, j'ai jamais vu des mecs aussi énervés. Un truc qui est cool maintenant dans Evil Dead, c'est qu'on peut mettre des pressions sur les personnages et dire oh, c'est déjà le cas dans le jeu. Ouais, mais en fait, c'est avec des défis et tout, du coup, t'as des petits trucs que tu débloques sur les personnages, genre des portraits, trucs comme ça. Je trouve ça vraiment trop cool, c'est dommage qu'il n'y a pas ça en jeu. Groovy! J'ai déjà pris le live comme ça d'ailleurs. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un chapitre, pas de licence? Ah, c'était Wesker. C'est quand avant? C'était Sadako. J'adore les gens à chaque nouveau chapitre être en mode waouh putain, le prochain ça va être FNAF, ça va être FNAF, putain les gars, ça va être trop bien! Laisse-moi boire mon café en savourant votre désespoir à chaque nouveau chapitre qui sort. Mais c'est vrai, j'adorais un chapitre FNAF. C'est un des trucs, c'est dans le top 3 des trucs que je veux voir. Même si je suis content parce qu'en ce moment sur Twitter je vois pas mal de gens qui sont en mode oui on veut un nouveau chapitre de Silent Hill, il y a eu Wesker, maintenant on veut un nouveau truc de Silent Hill. Bon, en reste c'est con parce que les gens ils demandent pas les bons trucs je trouve. Ce qu'on veut nous c'est Incubus, ok? Rien d'autre. Incubus. Peut-être. Allez. Ouais non Incubus c'est tout. Des gens qui. Ou Missionary peut-être, ouais voilà, peut-être. Mais, genre y'en a ils demandent Valciel. Mais qui veut Valciel dans le DBD? Je dis un truc terrible, mais Valciel a un élément de décor si tu veux, mais. Mais si maintenant j'ai déjà dit, mais moi je veux un. Je veux un chapitre Evil Dead Rise sur DBD. J'ai vu beaucoup de gens qui disent, arrête, je pense que comment dire, c'est la culture du moment, mais. La culture de l'instant, pardon, mais c'est que je vois beaucoup de gens qui en sont Evil Dead Rise en mode c'est le meilleur film d'horreur, c'est le meilleur film d'horreur. C'est un excellent film d'horreur. Il est excellent, y'a rien à dire dessus. Mais alors de là à dire que c'est le meilleur. Ouais, là je peux pas trop parler, mais là je dirais que c'est dans mon top 10 des films d'horreur préférés. Nique ta mère. Ah, il m'a vu donc il s'est dit merde, si j'accroche pas au son en premier dans la game. C'est vraiment ça. Genre on est deux. C'est qui vient chercher? C'est moi. Non mais il y a des signes. Ah, il m'a lâché. J'allais dire, il y a des signes qui trompent pas. Ça fait 3 games que je vais me faire accrocher en premier quoi. Non, attendez. Le jeu me donnait tort. J'adore Souffrir. Ça, ils me verront tous, ils pourront pas dire qu'ils m'ont pas vu. Oui, tintophobie? Non, même pas. Baron Boucher, c'est Dick. Ah, c'est la fête des mères hier. Alors on m'a dit que non aujourd'hui. Je sais pas si, attendez, mais tout le monde disait que c'est la fête des mères hier. Mais genre vraiment partout, vous voyez que c'est la fête des mères. Je vais voir. Et en fait, je vais aller voir sur internet. En fait, la fête des mères. C'est pas le même jour en fait en France et dans les autres pays en fait. Après, moi je m'en fous, hein. Je fais pas la fête des mères. Comme beaucoup de fêtes d'ailleurs, mais. C'est tout ce quand même que la seule fête que je fête. C'est Halloween.
Vous vous rendez compte que je fête même pas mon anniversaire. Oh putain, il est là. J'allais décrocher l'autre. En plus, j'espère que je vais pas rencontrer son chemin. En me disant, c'est qu'il va être à côté de l'autre en attente, ça se trouve, c'est pas très loin. Non, Non, du coup. Par contre, petit chanteur, je pense qu'il joue sur sa maltraitance. C'est pas mal joué sur Pyramid Head. En tout cas, cet été, pas mal joué, je pense, c'est encore beaucoup joué aujourd'hui. Parce qu'on voit quasiment plus des Pyramid Head. Que j'arrive à décrocher quelqu'un quand même. Ah, c'est beau de jouissement quoi. Qu'on a perdu du temps de fou. Prank. Ah putain, et du coup c'est pas remis. C'est pas vrai que c'est sûr de pas le voir. Dans la baraque. J'ai pas vu que j'étais blessé. J'ai vraiment pas vu. Je vous jure de ma vie que je savais pas que j'étais blessé. En fait, c'est quand il y a le coup qui est parti. Puis j'étais focus sur le mec là-bas. Je suis vas-y, vas-y, je vais me prendre un coup. Mais j'étais vraiment en mode, vas-y, je vais me prendre un coup. Ça va me donner un coup de boost et je vais pouvoir le décrocher. Alors par contre ça veut dire c'est vraiment fils de pute. Ok d'accord. Je vais le prendre en raccourci hein, je vous jure. Chance que je le rencontre. Je vais me faire foutre. C'est cool, après moi je sauve l'autre. Lâche pas. Mieux que neuf, enfin servir. Comment tu m'as vu? Je veux tout savoir. Je veux que tu me dises tout. Il vise loin le bâtard. Fais sauver l'autre, abruti! Putain. Cri de con. C'est vraiment moi, je pouvais pas plus mal jouer. Hein. En vrai, je serais quand même curieux de savoir combien il s'est fait de points. Parce que
infirmier sur les ponts, c'est juste abusé quoi. Ce qui passait quasiment pas de tracé au sol, hein. Par contre, ça fait plaisir. J'ai même pas rendu compte que j'ai fait 3 décrochages. Ouais, mais j'ai fait... ouais, je t'explique, j'ai pas vu que je m'étais pris le. En fait, j'ai pas vu que je m'étais fait blesser. Parce que j'ai pas vu le boost de vitesse en fait. Et que j'étais vraiment concentré sur l'autre. Je me suis dit, vas-y. Je passe à. Ta gueule. Pardon. Je passe à côté, je me prends le coup et. Je vais vite décrocher autre et reste pas grave, me fait mettre à terre. Moi, j'ai décroché autre et j'ai. J'ai mes points de temps quoi. Enfin, mes points de temps, j'ai mon bonus quoi. Enfin, mon bonus, mon défi, putain, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Je crois que tout le monde joue au jeu Zelda d'ailleurs. Je sais jamais jouer au jeu Zelda de ma vie, c'est pas que j'ai commencé. Je suis sûr que je rate un truc, hein. Je vais niquer les enveloppes. Je me rappelle un truc, c'était pas en live 24h, c'était vraiment à la fin du live 24h qu'il avait fait avec Redemption, je sais plus qui, Phil Drong, il parlait de la nouvelle strat. Et il disait qu'en vrai, ce qu'il répondait au truc de. Ah, il parlait de ça, entre autres. Bien sûr. Ah, pas la hache, enfin la chute. Ok, bon. Ouais, il disait en gros que. Il y a un truc que lui, en fait, qui se rend compte quand c'est genre fake ou pas fake. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il y en a qui font exprès de mal jouer. Je pense que pour certains c'est vrai. Mais il disait qu'en vrai ça se voyait parce qu'en fait les gens qui font exprès de mal jouer, ils font des trucs, mais profondément stupides, à plusieurs reprises sans qu'il y ait de raison. Alors que les gens, tu vois que c'est pas fait exprès, que c'est pas fake, il y a une logique là. Même si ça te paraît con, il y a une logique de débutant. Il avait donné un exemple, je sais plus c'est quoi. Et il faisait une vidéo où il y avait. Parce qu'en fait, il parlait d'une vidéo où il y avait un mec qui faisait. Il essayait de faire hypnose sur un autre Pokémon ou un truc comme ça et ça marchait jamais. Genre, il essayait 3 fois. Et il disait, ouais, mais après, le mec il pouvait pas savoir forcément que genre tu peux pas l'endormir. En fait. Peut-être qu'il disait qu'il est juste. Et qu'il s'est juste loupé. Il disait pas en fait qu'il pouvait pas l'endormir. Donc c'était ça l'histoire. Il y a une logique derrière. Alors qu'il y a donné un autre exemple, par contre, je l'ai plus. Là, par exemple, je sais que c'est fake.
Faut voir où ils mettent ces totems l'autre là. Par contre, H tu lag. Hein. Je vois pas, mais d'accord. Putain, oh putain, oh putain. Tant qu'on comprenne que je suis pas dans la cabane. J'aime pas ces endroits-là, parce que du coup je peux me faire niquer. Bon, je serais demandé à ce qu'un portion encore. Bien joué. Je l'ai vraiment pas vu. J'ai vu la hache, je trouvais que la hache était genre pas du tout au même endroit que moi en fait. J'ai vu que la hache en fait était vraiment mais au moins à 5 mètres genre sur ma droite quoi. Sur la droite de mon perso. Bon, je rappelle que notre défi c'est décrocher des jambes, pour l'instant c'est pas gagné. Mais évidemment là je vais esquiver. Oh, pourquoi H ne fait pas de générateur? Enfin, H, pas moi, mais H l'autre. Là. Hé! Il est où? Je vais là-bas, il y avait un totem venir. Genre là, maintenant, vu que des fois il est toujours à me voir que je suis jamais rentré en champ de vision. Genre j'ai toujours peur, genre que ça arrive par exemple que bah, justement je. Genre que je. Genre que le tueur me découvre comme ça. Je vois pas en même temps, j'ai Fireman Gar se meurt de peur. Okay, j'ai un totem. Ah bah, il est où? Putain, il est là. Mais non, monsieur l'arbitre, là, non, non, par contre! J'ai décroché combien de personnes de cette game, j'ai oublié. Sur ma tête, ça fait zéro! Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le nombre très exact de personnes que j'ai décroché pendant cette partie. Il faut que j'en décroche 15. Autant vous dire que c'est des fictions à faire, ça. Mais vous savez, il y a des games, genre, ça se passe pas très bien, je décroche des gens. Mais là, c'est juste, je sais pas. Je vais essayer d'être contre moi.
parce qu'on a fait 3, mais c'était genre dans le deuxième game, quoi. C'est ça, hein. C'était la troisième, je sais plus. Parce que c'est la quatrième qu'on fait. Attendez. C'est la quatrième ou la troisième, ça? On a fait 2 avec Billy, dont 1 carage kit. Troisième, c'était pyramide, donc ouais, c'est la quatrième. Donc, fiction, c'est la pyramide, j'en ai fait 3. J'ai joué comme un con. Même là, en vrai, je joue un peu comme un con. Je vais pas dire que c'est parce que je suis endormi, parce qu'en vrai, là, c'est, vu que je suis en live, moi, souvent, ça me réveille. Mais, c'est genre, je sais pas, je vraiment joue comme un con. En fait, j'ai l'impression d'être saoulé, quoi. En fait, juste le fait que tu commences la game, c'est moi qui sais poursuivre. Je souffle, quoi, je suis en mode. Stop la couille. Sois sympa avec moi, quoi. Ah, bon, j'ai pas pris un truc dans mon build pour vraiment éviter ça. Parce que ça sert à rien pour le coup. T'es vraiment la compétence, elle a servi combien de fois? Pas beaucoup de fois, hein. Pas se mentir. Non, par contre, le coup de je te tire une hache, mais je suis dans le bâtiment, côté lecteur, mais complètement même dans hors de mon champ de vision, c'est non, par contre. Bon, c'est un truc, mais non. Ouais, ça fait trop chier qu'ils ont nerf. Enfin, qu'ils ont modifié, même si on peut dire nerf, hein. Cercle de soin. Mais qu'est-ce sur Terre, c'était plein de cercles de soin. Bah, des tueurs, je suppose, mais. En fait, moi, pour moi, c'est pas le cercle de soin qui aurait fallu un nerf, c'est totem béni en général. Moi, il aurait fallu mettre un cooldown sur les totems de soin, en fait. Ou la possibilité de base du tueur de pouvoir les péter. Ou alors de faire un truc comme quoi, quand les tueurs, ils éteignent un totem. Le totem à qui est éteint ne peut plus être rallumé, genre pendant, genre une connerie, pendant 1 minute, 2 minutes, quoi. Genre un long moment. Pour éviter de les abus. Parce que sinon, tu pouvais revenir à volonté sans aucun problème. Merde. Ah putain, c'est pas moi. Putain, il fonçait vers moi au début, hein. Mais ça l'a décroché. Un décrochage en plus. Mikaela, casse-toi. Mikaela, je rends 20 ou que tu t'es grand mort. Si tu veux, je te suis. En même temps, on fait un. Moi, c'est juste si on faisait un par game, ça me allait. Non. Concentré. Sur mon retour, j'ai les yeux creusés, putain. Je me demande si la nuit je dors vraiment en fait. Putain, j'ai entendu le bruit du test habité, je l'ai pas vu. Parce qu'il y en a, vous savez, ils dorment mal en fait. C'est comme si leur sommeil en fait n'était pas entier, si vous voulez.
pas comment expliquer ça, mais certains voient de quoi je parlais. J'ai tellement vu. Oui, il est vraiment juste arme quoi. Bâtard. J'ai vu qu'il était aussi près de mon cul en fait quand je me suis retourné en montant l'escalier. Je pensais qu'il était genre loin moi. Je pensais qu'il était juste à la porte quoi. Non, il était vraiment genre à 5 mètres derrière moi. Totem à baigner. Pas grave, c'est pas grave. Je vais aller voir là-bas s'il n'y a pas de. Peut-être baigner. Dans la cabane, il y en a. Alors, quoi que si je fais sur ce. Non, je sais pas souvenir, t'en as déjà vu ici. Par contre, c'est possible qu'il y en ait un là. Non. Oui. Qu'elle avait des dardes. Je t'ai vu. Ouais, je suis barbecue lui. Je vais passer par où? Pour être sûr de pas le croiser. Ouais, elle a compris qu'il y avait chez barbecue. Sont horribles quoi. Ouais, c'est vraiment stressant pour le coup ce que tu dis pour d'un coup te foncer dessus comme ça et te niquer. Oh putain, pas elle. Encore nous y arriverons. Putain, là, ma compétence qui sert quoi. C'est une game normale du coup. Pas la cabine, c'est bon. Allez, casse-toi. Pas ici. Toi, t'as fait déjà un drame, mais t'en as rien à foutre, toi. C'est terrible. C'est du boost de vitesse pour aller dans le bâtiment. Putain, il peut arrêter son... son truc comme ça, quoi. Ah!
Ah, mais c'est qu'elle a fini. J'avais pas compris. C'est qu'elle a le boost de vitesse, c'est Finjuice ou Lucas Gigi? Non, par contre, Finjuice, c'est pas le moment de s'arrêter. Enfin, Finjuice. Bon, d'accord, t'as arrêté parce que le tueur. Le tueur, t'as vu, hein, Finjuice, hein. Parce que t'aurais fini là, en fait, hein. Le Baos, il arrive par là. Ok, encore la pète qui est pas tombée ici. Même t'aurais l'argent fini. Qu'est-ce qu'il fait, le tueur? Putain, elle a repris du coup. J'ai réussi. Force brute ou fire up. Il faut que je l'emmène loin des portes. Je pense que c'est mort. Putain, j'aurais voulu l'emmener là-bas. Bon, allez, en fait. Il va niquer. Ouais, mais va, il va la niquer. C'est con, mais en fait, je sais pas pourquoi ça a arrêté. Elle aurait pas dû s'arrêter de faire genre, on aurait pu se barrer, en fait. Au moins, là, nous deux, quoi. Là, je dis pas encore, hein, mais je pense que c'est mort. Hein. Je vais me buter, je vais me buter comme ça, on va peut-être pouvoir se barrer par la trappe. Vas-y, tire-toi. Pourquoi se tire? Je sais pas pourquoi, c'est là que j'aimerais bien revoir la partie, pourquoi en fait elle s'est arrêtée de faire le générateur. Je pense que vu que Billy on le voyait pas venir vers nous, qu'il y avait que trois générateurs à surveiller, je pense qu'il devait tourner autour de sa position, genre qu'il savait qu'elle était là mais il la trouvait pas. C'est ça qu'elle allait pas sur son générateur. Pas trop tard pour trouver la trappe. Oh merde. Ah la parfaite occasion, c'est bien. Non, c'est bon. Toujours mort. Indéfectible. Ah, elle a un bon build en vrai. Hein. Après, un Billy, c'est dur aussi en hein, game. Hein. Parce qu'il se dépasse assez vite, le con. Allez, nique ta race. J'ai tué une mouche. Sur le fond vert, j'ai éclaté. Elle est tombée dans le truc, dans le grenage. Du coup, quand je vais refermer, ça va bien la broyer. Sans tâcher le fond vert. C'est juste l'engrenage, c'est que le truc en acier. Horrible, hein. Mais il se foutrait pas sur ma gueule et sur mon écran. Parce qu'au début, je cherche juste. Moi, je fouette pas. Sauf qu'ils reviennent tout le temps en boucle. Écoutez. Vous voulez mourir, je vous offre ce cadeau. J'ai autre chose à foutre en fait que vous tuer.
Par là, mon cul. D'accord, faisons comme ça. Je sais qu'il y a une nouvelle ligne quand on a entier son skin. Ah, c'est deux. Ça va être un event. 5. J'en ai fait plus que ça. C'est la meilleure game qu'on ait fait aujourd'hui. Hein. Je tiens à le dire. C'est vraiment la meilleure game qu'on ait fait aujourd'hui. Que j'ai que ça quoi. Mais ils sont pas au début, ils sont à la fin. Voilà. Excellent. Bon, minuscule, il est petit, mais... Enfin, il est laid, mais c'est pas grave. C'est vrai que ce skin de Vittorio existe. En plus ce skin je trouve. Les offrandes qui ne rentrent pas en correction avec d'autres offrandes. Puis merde. J'ai pas eu le temps de faire la suite. J'ai renversé. Dragage. Non, il est ok. C'est musique, c'est blague tête. La musique de loin, j'ai du mal. C'est blague. Les musiques de loin de Blake et Dragage se ressemblent. C'est marrant que la map de Dragage soit ensoleillée. Je pense que enfin, le contraste avec le fait que bah, du coup lui fait tomber la nuit quoi. En fait c'est putain de pipe toi. Vous voyez là, regardez, on se rend compte que c'est pas des survivants débiles, parce que là, les survivants qui ont joué d'habitude, le mec serait barré juste en ayant vu au loin. Et je n'exagère pas, vous avez vu les lives aussi comme moi. Peut-être pas, mais genre, j'ai vécu les lives et vous les avez sûrement vus, ce qu'ils faisaient. Et même si en vrai, encore une fois, les lives des BD, en vrai, je les ai pas tous mis en ligne, il y en avait beaucoup avant qu'on avait fait. Et genre, je rageais, d'ailleurs, je crois qu'il existe un clip d'un où je pète vraiment un plomb. C'était des mecs, genre ils entendaient vraiment le bruit. Parce que je me plains maintenant, mais c'était des mecs, ils entendaient vraiment un bruit de paix. Parce que je suis dans un casier, hein. Il est parti soigner près de mon cercle de soins. Genre pour se commémorer le bon vieux temps.
Moi, c'est pas le. En fait, moi, j'aurais laissé le fait qu'on puisse se soigner dans la sarcose de soins. Le truc, c'est que j'aurais mis un malus à la place. Enfin... Sur les totems en général, comme j'ai dit plus tôt. Mais en vrai, ça aurait été un malus sur les totems. Dans son sac de soins vraiment lui-même, j'aurais mis quoi à la place en vrai? Je pense qu'il y a des idées. Hein. J'aurais pas ralenti le temps de soin. Déjà. Moi j'aurais peut-être mis un truc comme quoi après que tu t'es soigné, le totem genre disparaisse en fait. Enfin au bout d'un certain temps, genre en mode dès que t'es soigné, genre au bout de 20 secondes, le totem s'éteint. En cas où c'est un autre à côté qui est en train de soigner. Par contre, il galère Blake Tier. Non, je vais y aller, mec. Donc, ici, il y a ça, c'est attention. Ça raccroche aussi vite. Non! Crying a noise. Faut pas taper dessus, hein, je t'ai mis un bonus. Tiens, un téléphone. Putain, mon plan que j'aurais eu, il m'aurait fait du bien, putain. Regardez à gauche, les générateurs, comment on se met bien. Quoi. Sprint, tu te rends compte, dure vraiment 0 secondes quoi. Ah oui, d'accord, t'as juste besoin de rebondir une fois toi. Aïe, loser! Aïe, broken! Lui, il a même besoin de rebondir, hein. Lui, vraiment, il te charge directement, il t'encule quoi, d'accord. Bon, je pense qu'il a rebondi juste pour entendre rebondir. Comment vas-tu, broken? Ta gueule H, putain, je t'en souviens, ta gueule H. Là, vous avez remarqué que ma critique Evil Dead n'est toujours pas sortie. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème au niveau de mon truc vidéo. En fait, mon logiciel de montage déconne. Des fois, il y a des trucs vidéo qui n'arrivent pas à. Qui n'arrivent pas en fait à charger. Et du coup, j'ai de les réparer. Les réparer, ça prend énormément de temps. Et en plus, faut que la réparation soit bien faite. Et le problème aussi des réparations, d'ailleurs, vous verrez. C'est qu'en fait, bah, ça baisse la qualité de la vidéo. Du coup, il y a un moment, vous allez voir, vraiment, littéralement, ça va perdre en qualité, quoi. Littéralement. Juste d'un coup, vous allez voir, la vidéo, elle va être moins belle, quoi. Enfin, c'est bien, fait du bruit, toi. Je te protège.
Zelda, t'es ok, qui est sorti. Ouais, mais je trouve qu'il est sorti vachement vite en fait. Parce que j'ai littéralement, genre, je crois, il y a deux jours avant, entendu un mec qui dit ouais, le jeu va bientôt sortir, et puis il est sorti. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant de promos que ça autour du jeu, en fait. En fait, si. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est. Il y a eu de la pub pour le jeu, genre, il y a un an. Il n'y a rien eu depuis, puis d'un coup, ils ont fait genre deux trucs de promo, puis hop, c'est bon, sorti. Deux ans de dev. C'est pas tant que ça en vrai, deux ans de développement, vous savez. Il y a des jeux qui ont pris genre plus de 200 que ça. Il a été annoncé il y a deux ans. Ouais, mais je veux dire, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas eu tant de promo que ça de la part de Nintendo sur le jeu. C'est ça que je veux dire, en fait. Je sens qu'il y a eu littéralement, genre, allez, 5 trucs au total, tu vois. Alors que Nintendo, généralement, c'est des gros spammers de fous, hein. Pokémon, voir ce qu'ils ont fait, hein. Bon, après, Pokémon, c'était de la merde. Certes. Certes, c'est vrai, c'était vraiment de la grosse merde. Mais quand même. Pour l'instant. Oui, d'accord, mais je veux dire, il est sorti, je veux dire, avant qu'il sorte, j'ai acheté jour J. T'as de la chance parce que j'ai vu un article qui disait que il y avait pas mal de Micromania et de Fnac qui se sont fait piller, mais vraiment piller, quoi. Jouzy. Bah, j'ai pas joué au premier, j'ai jamais joué à un jeu Zelda. Pourquoi je vois celui-là? D'ailleurs, j'ai dit au début du live, hein, je suis sûr que je joue pas un truc, tu vois. On en parle au début du live. Jouzy, non mais non. Que j'ai vu aucune vidéo. Vous savez que j'ai vu aucune vidéo même du premier. Genre, littéralement, le seul truc que j'ai vu, c'est une séquence où Link grimpe. Oui, mais je vous dis, non, mais non. Parce qu'il faut que j'achète le jeu, j'ai la flemme. Amitié réelle, ouais, putain, amitié réelle, c'est chiant quoi. Oui, ok, mais je. Bon, gros baiser, arrête. Arrête d'insister, je n'y jouerai pas. Ou dans longtemps, peut-être genre c'est un jour, je trouve le jeu genre à 2€, tu sais, dans un bac à jeu, tu vois, en solde. Mais. Genre sinon, non. Non, en vrai, faut que j'achète le jeu. Faut que j'achète le jeu, c'est tout ce que j'ai à dire. N'est-ce pas, Ash Williams? Très bonne idée, mais je vous dis. Peut-être. 50€. Mais en vrai, vous savez, le prix, maintenant, je sais que maintenant, le prix, moi, je m'en bats les couilles, hein, 50€. Voilà quoi. Mais genre le truc c'est que vraiment genre juste il faut que j'aille l'acheter tout quoi. Parce que moi si je veux l'acheter c'est mieux que ce soit en boîte tu vois. Putain, je suis pas très riche. Hein. J'allais dire très riche j'aurais des gens qui feraient mon ménage et ma vaisselle, c'est déjà le cas. Mais très riche genre j'aurais plein de gens qui feraient ça et genre qui vivraient dans mon château. Le cosmos bosse pour toi. Non c'est l'inverse. Enfin non c'est bien ça. Bon, truc qui me plaît pas dans mon build, ça. Ça sert littéralement à rien, en fait. Je préférerais limite mettre ça, en fait. Juste pour voir si Bénédiction de Soin, c'est vraiment devenu signe ou physiquement, c'est vraiment une useless. Je pense avec des potes, ça doit aller, mais alors là... Je parlais avec un de ma famille hier. J'ai tiré cette gueule-là. elle m'a sorti quoi? Que, en gros, pour pas être trop vous dire de quelle branche famille, enfin, de quel truc c'est de la famille, on va dire que c'était des oncles. Mais c'est vrai, c'est pas ça. Qu'ils ont un château dans le patelin où j'habite. Par contre, le château a un nom de merde. Je dirais pas c'est quoi le nom, mais il a vraiment un nom de merde, mais alors littéralement un nom de merde. Ah merde, maintenant que j'ai dit ça, vous allez trouver rapidement. Ils ont vraiment un château. Mais en fait, c'est un héritage de château. Genre, les personnes qui y habitent, qui sont de ma famille, en fait, ils ont pas tant d'argent que ça. Ils vivent dans un château. Château cosmique. Du coup, attendez, je vais vraiment m'arranger pour avoir un château, moi aussi. Parce que je les connais, ils sont pas loin de crever, en plus. En plus d'être fous, mais bon, ma famille, ils sont tous fous, hein. Je rappelle que, vraie anecdote, hein, dans ma famille, il y a quasiment tout le monde qui est passé par la case hôpital psychiatrique. Hein. C'est pas grave, hein, je vais le dire, mais surtout des femmes, en fait. Ah putain, c'est le chevalier.
toi. Moi j'y suis déjà allé effectivement. Ma tante y a été mais pendant longtemps. Et le pire c'est que la légende raconte, parce que moi j'étais pas encore né, que quand elle en est sortie, elle était encore plus folle qu'avant. Ma mère m'a littéralement dit, avant elle avait l'air normale, mais genre elle en est sortie, elle a jamais été genre... genre elle a plus jamais... plus jamais l'air... enfin plus jamais elle avait l'air sain quoi d'esprit. En plus, ils arrêtaient pas de la tondre tout le temps pour lui faire des électrodes, et du coup, ses cheveux, quand elle est sortie, genre, c'est n'importe quoi, ils étaient plus poussés qu'à 63 en fait. J'avais des cheveux courts, mais vraiment, c'était plus creusé que d'autres en fait, vous voyez ou pas? Ils voulaient se battre avec moi? Sérieux? Et c'est ce château? Non, c'est pas du tout ça. Non, mais je vous dirai pas c'est quoi, même si vous trouvez, c'est pas du tout ça, mec. Non, je te spoil, je vais les baiser, j'espère. 13 gosses, c'est le nom d'un film. Ok. Ok, je crois dans mes souvenirs. En fait, il est vachement gore. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué. Il y a un mec, il y a un personnage qui s'est découpé, mais vraiment en deux. Mais pas comme ça, genre sur le côté. Attends, attends, gros BG. Bah, tu vois, ça tombe bien, j'ai enlevé mon totem bénédiction de soin. Il est pas con, il est sur le générateur. Non, je te soigne. Il veut pas, il s'en fout. C'est qui le tueur? Je dirais Blight, mais encore lui? Je pense que demain il veut récidiver. Non, par contre, plein toi, mec. Va voir. Ah non, c'est ça, c'est le chevalier, je suis con. Va voir des responsables, mec. Enfin, tout ça va faire. Je vous dis, non, mais ta gueule. Hé, hey, connard! Allez! Ah. D'accord, c'est bien, sois débile. Il a bien fait du bruit. Là, maintenant, le tueur est secondaire. Spoiler. Moi j'en vois, je le défonce. Ouais mais gros en fait tu passes pour un... pour un mec violent en force tu vois. Enfin tu vaux mieux que ça je veux dire. Plein toi, dis-le à quelqu'un quoi. Chez. Oh putain. C'est donc ça, Army of Darkness. Ah mes potes sont au courant, je les pense. Mais tu vois, même si tes potes sont au courant et qu'il y a une solidarité entre vous, c'est cool. Ok, je vous dis mais allez-moi plus, je dois faire mes devoirs. Ça marche mec, putain les devoirs. Bon courage. C'est ton fantôme. Vous allez vraiment sortir, hein. Vous pensez qu'il s'est OG? Oui, ça va. J'ai vu une fois, mais c'était en live je crois, je sais plus. J'ai vu une fois que son skin légendaire il est vraiment pas très beau. Hein.
Merci Zobi. Viens Zobiette. Merci Zobiette. Je sais pas en vrai ce serait quoi le totem de pratique en bref. Moi c'est marche de l'ombre. En fait pour moi ce serait marche de l'ombre mais combiné à... à l'autre truc là. Théorie ténébreuse que je ne commence, j'aime bien. Ouais, il fait bien ménage, hein. Je pense là en vrai la partie est perdue hein, mais petit retournement de situation, ouais. Et là, ce billet, tu la vois pas? Non, elle est pas là. Ah, mais si. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste là, putain. Genre là, pourquoi il reste là? Ah, merci, putain. Aucune raison qu'il passe 3 ans ici, quoi. On est d'accord. Moi, je pense qu'il y en a qui ont couru derrière, en fait. Oui, et je vois Dwight et un mec qui sont en train de faire leur vie. Et que du coup, ils ont. Que du coup il a vu les traces et du coup cherchant quoi. Wait. On fait déjà un temps de temps, on les fait plus rapidement, c'est cool. J'ai décroché dans cette game au moins une, mais après je suis plus sûr de décrocher d'autres. C'est vrai qu'il y a une tendance à venir vers les générateurs finis et puis de rester 3 heures. Ah oui, c'est ça. Pourquoi il vient là? Trop bizarre en vrai comme, comme plan. Je suis soigné. Mais j'étais pas dedans! Mais ta grande sœur! Ah bonjour! Ça dure bien 3 ans. Je vois que c'est dans le dos qui me tape là.
Donc il y a forcément un truc qui fait qu'il me poursuit pendant 3 ans, quoi. Vas-y Dwight, vas-y Dwight, vas-y Dwight, fini, fini, fini. Je vais là parce que... Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi tu t'es pas sauvé? Je tente ma chance, hein. J'y crois pas, mais vas-y. Il est vraiment parti l'accrocher? Ouais, d'accord. Je pense que j'ai gagné. À moins qu'il y ait un truc genre qui me bloque à la fin. Je veux dire, aucune issue. Non, ça peut être aucune issue du coup. Par contre, ça peut être la confiance de Freddy, on sait jamais. Je sais pas pourquoi il s'est pas barré. Mais tant mieux, moi je suis en sortie vivant donc. Je vais pas descendre parce que je me suis fait péter la gueule forcément et ce qui se détourne de à côté donc il était forcément droit quoi. C'est débile. T'as couché deux personnes? Je me souviens plus. Je me souviens vraiment plus. Est-ce que je me suis pris un coup de protection? Ah non! Ouais, c'est ça que je veux. Ah, vraiment le vrai Necronomicon, j'ai oublié ça. C'est quoi le skin entier? Je crois qu'il est pas mal. Ouais, les skins des nouveaux survivants, ouais, en... avec leur nouveau truc, errant, si tu veux. Il est mort, lui. Lui, j'aime moins en vrai, avec du recul, je me dis. La coupe, j'aime bien en vrai. C'est le haut en fait, je trouve que c'est trop con. Ouais. C'est encore survivant, putain, il est 8h45. Ça, c'est bien, les games survivants, ils durent longtemps maintenant. C'est ça, c'est moi, bébé. Bon, j'aimerais bien faire le défi aujourd'hui en fait. Bon, c'est très. Très utopiste, hein, mais vas-y. Hein. That's right, baby. En vrai, j'aimerais bien enlever mieux que 9, mais juste laisser nous arriverons en fait. Parce que je trouve que nous arriverons, par contre, c'est vraiment, vraiment trop fort. J'aimerais bien mettre ouais, nous arriverons. Et en fait, mettre l'autre compétence de sort. La bénédiction, en fait, je crois que c'est en page 1, les bénédictions. Mais la bénédiction, oui, de... De l'autre, là, attendez. Ah, c'est pas en page 1, les bénédictions? Ah si, je sais pas plus. Ouais, voilà. Théorie ténébreuse. Oh, je suis prêt, hein. Je suis pourri toute ma vie.
Mais c'est une marionnette. Est-ce qu'elle allait le péter, tu vois? Non, j'ai cru. Encore. Ah! T'es Mogorgon. Il y en a aussi un là, je note. Ah, je contrôle des Mogorgon, ouais, c'est pas un peu magique. C'est terrifiant qu'à chaque fois qu'il blesse quelqu'un, il pousse des cris de l'enfer comme ça. Mais qu'on les entend en tant que survivant. Ça, je savais pas qu'on les entend en tant que survivant. C'est cool en vrai comme petit ajout comme ça. Et il est sûr qu'on ait des petites spécificités comme ça qui les rendent intéressants. Par contre, peut-être que le Oni est aussi le Némésis et aussi le Démogorgon, mais que trois tueurs, genre seulement, fassent un espèce de bruit de secousse quand ils marchent, genre BOM, BOM, BOM. C'est un peu cool. Le chevalier fait un peu ça, mais. Je vais me gratter le nez. Le chevalier fait un peu ça, mais le chevalier en fait, c'est différent sur le bruit de son armure. C'est cool d'avoir un bonus de vitesse comme ça. Franchement, Over Zilou, je trouve que c'est trop sous-côté. C'est vrai. Neuf secondes pour soigner quelqu'un en train de compter.
gratte les couilles. Merci. J'aime bien ce pantalon. En fait, surtout, je trouvais son skin, c'est sa tête. Enfin, ses cheveux, en fait. Cette fleur là de merde. Puis cette couleur. Le chignon est pas mal, mais ça va pas du tout avec le reste, en fait. Quelque part, ils vont pas nous emmerder. Ah, je sais, il a pas, je vois. C'est le roulant. Merci, c'est gentil. De venir m'aider, j'oublie ton nom. Zarina. Le type sympa. J'ai besoin de mes potes, c'est pas grave. C'est fou de voir à quel point ça fait réduire par contre de fou le générateur quand je fais l'état avec haute douleur. Plus ça, plus je me dis j'aurais peut-être mis en maths à jouer avec, sauf que j'ai l'impression que les crochets flashateurs ont été corrigés dans le sens où. Vas-y, prends-moi. J'ai fait un coup protecteur là aussi hein. Il me l'a compté ou pas? Je crois qu'il me l'a compté dans les deux et j'ai pas vu. J'ai vu qu'une personne décrocher, je crois pas que je ferais dans cette partie là mais la partie d'après. Ah oui! C'est bon. L'honneur est sauf. On l'a fait en 2 heures, je suis étonné. En 2 heures de live. Tu m'aurais demandé, on fera ça dans. On va finir ça. Au début, quand j'ai vu le début, je suis ok, dans 3 lives il est pas fini le truc. Non, on l'a fait quoi. Putain, ça me remplit de joie. Je suis une proie trop facile. Non, c'est bon, il est sympa. C'est vrai qu'on a un bonus de vitesse. En vrai, il se ressent. J'hallucinais. Merci, meuf. Pas parce que je. Non, j'ai pas scorpion, mais j'ai un doute. L'amitié est plus forte que des générateurs, putain. Bien, l'amitié est plus forte que des générateurs. Oh putain, le vagin atomique. Ça, j'aurais pu te soigner en quelques secondes, hein. Mettre de soin et puis sur mon truc.
C'est officiellement la meilleure partie qu'on a faite d'ailleurs. C'était vraiment drôle, le Démogorgon et tout. Il jouait bien son Démogorgon, je trouve. Hein. Après, Démogorgon, c'est pas fou, mais. Il jouait bien. Démogorgon, après, ça reste mieux que ça, d'accord. C'est vrai que moi, ce Démogorgon, je me dis, ouais, c'est la dingue. En vrai, tu compares ça à une Sadako ou je vais le laisser mettre un coup déchiqueté. Vas-y. Ça lui fait des points. Ça lui fait 800 points au total. En sournoiserie. Donc c'est bien ça, si jamais il manquait des points. En fait, je pense à pourquoi des fois les gens ils t'attendent à la sortie puis ils se barrent au moment que tu leur mets un coup, genre ils se prennent pas. En fait, je pense c'est parce qu'ils ont un bonus de points quand ils esquivent ce coup. C'est possible, hein. Peut-être que t'as un bonus de points, peut-être qu'il est encore plus gros quand t'es à la sortie, genre que tu t'échappes juste après cette prise coup, genre en mode ouais, je t'échappais à temps, genre. Échappé du 16, un truc comme ça. Je pense, hein. Je sais pas. Ça s'appelle comment? Première forme. Kiss my ass, je crois qu'elle allait dire. Est-ce qu'on va se finir sur des bots? J'ai envie de tuer des bots. Je sais pas, j'ai envie comme ça. Attendez. Si on reste dans le thème, on va jouer elle. On va juste voir le truc, première forme. Le boomer. Bah, je peux pas le voir. Merci. Ok, donc par contre on joue au shot. Mais ouais, en vrai j'ai envie de continuer à jouer, j'ai envie de faire de la partie personnalisée. Oui, nous prendre la tête. Hop là. Non, pas deux fois le même survivant. Au pif, attendez, je prends le premier truc que je vois, un verre. Un verre, c'est V-E-R-R-E. V-E-R-R-E. C'est tombé, je le déteste. Confirmé. Babylone. Excellent.
Ça me donne un peu de prendre la main. Attendez. Flot de rage. C'est 4? Ah oui, 4. Pour se meurtrier. Et en dernier, on met quoi déjà? Je sais plus. Moi, je mettrais bien oppression pour. Bah tiens, il est là, oppression. Non, on joue pas avec le truc qui nous fait savoir où on s'éveille, parce que je crois que ça nous induit en erreur. Et du coup, c'est pas bien. C'est trop piment. Frappe un survivant qu'une attaque téléportée réussie désactive la capacité de téléportation de l'infirmière et augmente sa vitesse de mouvement de base à 4,6 miles pendant 60 secondes. Ouais, je vais tester, ça sert trop bizarre. Enfin, j'ai un peu troll, j'ai envie de dire, mais. Vas-y. Je répéterai jamais à quel point l'infirmière, je trouve qu'elle a des skins, mais vraiment magnifiques. Je mets un peu aléatoire que ça, je. Comme ça, au moins, je suis vraiment dans le. Dans l'entraînement. Moi, je sais plus ce que j'ai. Un truc de fou, comme l'infirmière, je trouve qu'elle a des skins vraiment magnifiques, mais alors comment, je sais pas du tout la jouer, quoi. Mais j'adorerais en vrai savoir la jouer, hein. Qu'est-ce que c'est dur, je trouve. Bon, des vrais joueurs, c'est encore pire. Mais moi, en vrai, je recommanderais aux gens de ne pas jouer avec le truc qui permet de voir où tu te téléportes. Ça t'induit vraiment en erreur, en fait. Pour avoir beaucoup joué avec, je galérais de fou. Genre, un jour, j'ai juste décidé de plus jouer avec. À la place de jouer avec le truc là, qui fait hurler les survivants et le truc qui me permet d'aller plus vite. Et d'avoir qu'une téléportation, et je trouve ça beaucoup mieux. Après, c'est pas bien parce que du coup, ça m'apprend pas à jouer avec. Faut pas jouer avec les deux téléportations. J'aurais essayé de l'avoir dans la porte. Allez. Un peu trop loin. Mais l'idée est là. Du coup, j'ai pu me rétablir super vite et du coup la rattraper. Ah, oh, ta gueule! Pourquoi les cris durent 3 ans maintenant? C'est sur. C'est quoi ça? C'est juste. C'est juste vraiment. Vraiment une mise à jour qui a été faite. Spécial hein, comme truc. Hein. J'ai l'impression d'être rapide, tu sais, c'est bizarre. Est-ce qu'ils sont bien répartis? En vrai, oui. Hein. J'ai l'impression que maintenant, le truc force les crochets à être bien tous séparés.
Genre le plus séparé entre eux-mêmes possible, ça c'est bien. D'accord, t'as vraiment de la merde. Je laisse leur totem sonner plus vite et ça m'arrange. Bon. Allez, ça l'a pris. Pas une super map pour moi par contre, mais c'est tant mieux. Allez! Ça c'est bien par contre de connaître les maps. Merde, trop loin. Mais ça, c'est vraiment de la merde quand ça fait ça. Comme Sadako à sauver par télépathie, hein. Finalement, un heure, c'est un peu Sadako avant l'heure. C'est rigolant, en vrai, pour moi, les deux sont aussi glauques. Hein. Non! De la merde. De la pure merde. Putain, mais tu t'es téléporté toi aussi ou quoi? Mais ça va, mais t'es allé où? La vérité, c'est qu'elle est où? Je l'ai casée, je pense qu'elle était dedans, mais elle a fait me chercher. Vous avez vu comment elle est super haut, quoi? Je sais bien que mon tueur est lent, mais quand même. Ah bah ça s'est réapparu.
Je vais me re-téléporter en fait, plus vite. Ouais, je devrais me faire un peu mal, là, joueur multime ou pas là. Hein. Pas déconner. T'es pas blessé toi? Ah non, c'est Zarina que j'ai blessé! Mais c'est bizarre, c'est Zarina, je m'en rappelle pas de l'avoir. Pas d'avoir blessé plus tôt. J'étais persuadé que j'ai tapé sur Néa. Allez, nique ta race. Les voitures de police. Ah, je pouvais la tuer, j'ai pas vu, merde. Putain, quel gâchis. Le fait qu'on peut pas se téléporter, qu'on va plus vite, c'est nul parce qu'on va 40,6 miles, enfin 4,6 miles. C'est, enfin, tous les tueurs vont à 4,6 miles en fait, de base dans le jeu. C'est pas comme si t'allais genre à 5 miles par exemple. Parce que du coup tu perds technique d'antiloupe, hein, la nurse, le principe c'est qu'elle se téléporte en fait. Je peux la tuer. Est-ce que toi je peux te tuer? Genre le fait que je puisse pas me téléporter là, c'est quand même handicapant quoi. Vous avez compté le nombre de genre de trucs qu'on est passé, enfin comment dire, le nombre de loops qu'on a passé pendant la poursuite. Pourquoi il est si loin? Pourquoi je suis si lent? Ça se libère, c'est de la faute du jeu. Hop là, nique ta mère. Genre vous avez vu, ouais, le nombre de loops qu'on a passé quoi. Vous voyez, des vrais joueurs, le temps que tu perds quoi. Après certes je suis un nurse, je suis plus lent, d'accord. Parce que chaque coup, un souillon te fait perdre du temps, hein, sur ton tour comme un débile. Je me suis fait prank.
Je peux pas annuler ma téléportation en fait. Genre là, les traces, ils vont où? Ils vont nulle part, les traces. Ah, d'accord, mais sinon, ils s'étaient arrêtés, quoi. Enfin, les traces, vous allez dans trois pièces différentes. Ça m'emmène bien derrière là. Là pour vous ça m'emmène vraiment là où je m'imaginais que ça m'emmenait. On voit mon os péter là qui ressort à droite. C'est vous que sur mobile il y a des moris différents. Le sens de moris genre choisi. Mais encore une fois, je sais pas pourquoi il y a pas ça sur PC. J'aimerais avoir la vraie raison en fait. Pas que j'en ai envie, en vrai je m'en bats les couilles. Hein. Je suis curieux. Et encore, je rappelle, je vais plus vite parce que j'ai genre le truc qui me permet d'aller à 4,1 miles. 4,2 miles, pardon. Au lieu d'aller à je crois, à 3,6, un truc comme ça. Parce que de base, nous l'oublions pas, hein, la nurse va moins vite que les survivants. Ce qui est... Putain, il y en a un derrière moi. Ce qui est assez exceptionnel, d'ailleurs. C'est vrai qu'à la fois qu'on a fait le grand chelem, il n'y avait pas de compétences pour mettre sur le vent, putain. Toi je t'ai vu. Je vais disparaître, sûr, je vais arriver à vivre. Pas de disparaître. Pas de trace rouge. Yes. Comme je l'avais supposé. Ah, j'aurais pas vu la trace de sang, j'aurais continué le couloir. Hein. Moi, les traces rouges, j'avais pas du tout où était la trace de sang, quoi. Qu'est-ce que t'es con comme fille? C'est vrai que dans le berry, le mot con n'existe pas, bien sûr. On dit juste con même pour une meuf. Hein. Pourquoi c'est encore quoi à côté de moi? Elle va crever. Il est long, son mori, je trouve, non? C'est qui, en vrai, je pense que les moris durent tous aussi longtemps, c'est qui aurait le mori le plus long, en vrai? Si on compte les vrais moris, pas les versions courtes, genre Pierre Abelette qui juste met un coup d'épée par terre, ou Sadako qui monte juste son œil et l'autre meurt. Ah, en vrai, le plus long mori? Ah, je sais pas. Tu sais, t'as l'impression qu'il s'éternise sur ce que tu le fais. Franchement, je saurais pas dire. Demogorgon, il est plutôt rapide, il me semble. Il est assez expédié. Oni, je crois qu'il est plutôt long. C'est pas le plus long non plus. Il me semble qu'il y a pire. Des Singer, je suis plus trop. Je m'appelle du Mori, mais je ne sais plus trop exactement comment ça se déroule. Qui l'enfourche son fusil dans la tête d'un survivant qui tire avec le truc qui sort après, mais. Par la bouche, mais sinon. Il y avait un tueur qui avait un Mori, je me rappelle, il s'éternisait, ça me saoule, je suis tendu. Oh, je suis comme, mais dépêche-toi! Parce que j'utilisais beaucoup mon genre d'espoir que ce tueur, mais je suis plus skill. Ah, bah, le trickster en vrai, le plus long. En vrai, je sais pas. Franchement, en vrai, je sais pas du tout. Mmh.
Pour encore jouer survivant. Bon, en vrai, plus 25, en vrai, tu peux jouer tueur, les parties se trouvent aussi vite. Hein. Bref. Ah! Moi, je vais vous laisser. Je vais aller finir de monter la vidéo Evil Dead, là, que la sorte dans la semaine. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines aventures. Demain, un live sur quoi? Je sais pas. Je sais pas si demain, il y aura un live, du coup, en vrai, vu qu'on a fait aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on l'a fait parce que... Parce que, genre, hier, on n'a pas fait de live, alors qu'on devait en faire un. Hein. Mais hier, en fait, je me suis rappelé... Mais genre, je me suis rappelé, t'es 22h30, si vous voulez. Je vois nique sa mère. Nique sa grosse mère. Bref. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. La bise.